Encore faut-il que peut-être nous disions deux, trois choses le plus clairement possible pour progresser et pour avancer dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. S'il y a urgence à changer la donne à gauche, c'est bien entendu pour face à l'offensive antisociale sans précédent que nous connaissons, pour faire front ensemble contre la politique de la droite, contre le patronat et offrir un débouché politique aux luttes et à la colère sociale. Mais c'est aussi pour créer les conditions politiques dès que possible d'une véritable alternative à gauche. Je pense qu'il y a une certaine indécence ici ou là à dire, à renvoyer toute alternative et tout changement à 2012. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut dès maintenant, si nous sommes en mesure de le faire ensemble, en choisissant nos angles d'attaque, nous pouvons porter des coups importants au pouvoir pour créer, encore une fois, dès que possible, les conditions de l'alternative, créer dès que possible les conditions politiques, je le dis comme je le pense, d'un gouvernement qui rompe enfin avec les logiques libérales. C'est la raison pour laquelle, si nous devons être dans la protestation, nous devons être aussi dans la proposition. Et c'est la proposition qui renforcera la protestation et la contestation. Et de ce point de vue, je crois que il semble qu'on pourrait être assez d'accord là-dessus. Il est très important que peut-être dans les semaines qui viennent, et le 11 octobre en particulier, nous puissions repérer les propositions, les thèmes qui montreraient bien que, à la fois, nous remettons en cause l'offensive antisociale que nous subissons, nous remettons en cause la politique de la droite et du patronat, mais nous sommes aussi force de proposition.